Notre union, moi, grand-père, là, ça fait mal aux gens. Monsieur Eve, il veut gagner 4 femmes, 4 enfants pour la vie. Toi, Pierre, toi aussi, quoi? 14 femmes. Hein? 14 enfants. 14 enfants, 14 femmes. Comment seul, comment 14 femmes? 14 enfants. Voilà. Là, tu parles. Sinon, tout à l'heure, tu as vacillé un peu dans tes propos. Voilà. Tu es un peu vacillé. Oh, oh, parce que pourquoi? Au lieu de partir d'abord, il veut mettre enceinte. Tu as lancé ta voix de parti. Mon bébé va passer ta voix de parti. C'est le bonus de ton temps. Ya, yeah, il va tuer. Oh non. C'est le direct le plus doux actuellement. Il dit va m'accepter avant de partir. Les gens disent, c'est toi qui as monté sur moi, mais c'est moi qui ai monté sur toi. C'est toi qui as monté sur moi, mais c'est moi qui ai monté sur toi. Faut répondre. Qui va monter sur son ami? Ah, c'est moi qui monte. Hein? C'est toi qui monte. Je suis un homme. Il monte bien, lui, les non, grand-père va tuer aujourd'hui là. Il m'a tué aujourd'hui, puis il va m'enceinte avant de partir. Il a achevé les fanatiques. Il a dit, mais entre lui, parce que les gens ont peur, ils disent, mon poids, il ne faut pas y aller écraser. Je demande entre lui et moi qui va monter. Il dit, c'est lui qui va monter parce que c'est lui qui est l'homme. Il a tout gâté. Il a tout gâté. Vous attendez un jour, je suis à faire un enfant pour grand-père. Amen. Prêche-moi. Hein? T'as prêché, hein? Bravo, c'est bien. C'est un vrai garçon. Moi, je ne prêche pas. Mais je vais, le jour que je vais le voter. Avec la chauffeur. Avec la chauffeur. Mon mari, grand-père. Oui. Grand-père, sa femme, Abidjan. Oui. T'es gâté. C'est mon femme, moi aussi. Et je ne suis pas grand-père. Garde à toi si tu embrasses encore une fille, elle me fâche. Moi aussi. Si tu embrasses une fille encore, elle me fâche. T'as mangé. J'ai mangé. Ok, mon ami. J'ai mangé. Tu es mon amour, moi. Sa femme, moi aussi. Exactement. Voilà. Écoutez-moi. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Bisous, bisous. Mon mari. Donc, on va aller où? On va. Là, vous montez avec moi. C'est la sortie. Hein? Ouais. Viens, viens, pour toi là-bas. Moi, si tu vas m'insulter jusqu'à... Je m'en fous de cela. Mais quand tu attaques quelqu'un que j'aime, quand tu attaques quelqu'un que j'aime, je peux parler. Sinon, moi, tu vas m'insulter. C'est quoi, moi, on m'a pas dit dans ce pays-là? On m'a tout dit. Moi, aujourd'hui, là, je m'ignore de ce que les gens peuvent penser. Parce que les mêmes personnes qui m'insultent, là, c'est les mêmes personnes qui vont me voir dans les rues, ils vont sauter sur moi, venir prendre les photos. Donc, peu importe ce qu'on peut dire de moi, je m'en bats les couilles. Mon affaire de grand-père, grand-père à la base, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a souffert dans sa vie. Grand-père a connu la souffrance. Grand-père est un être humain créé par Dieu. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un se lève pour venir dire que grand-père est un génie, j'ai eu mal. Il ne faut pas me la m'oppresser. J'ai eu mal. Parce que je m'affiche avec grand-père, certaines personnes se permettent de dire que c'est un extraterrestre. En plus, c'est un ivoirien. Ça ne se fait pas. Excusez-moi, c'est pas me laver le plaisir, j'aime pas ça. J'ai eu mal, j'ai été choquée. Comment pouvoir, comment traiter la créature de Dieu? Un être humain que Dieu a créé, comment vous pouvez le traiter de génie? Mais c'est grave. Si je m'affiche avec grand-père, c'est mon problème. This is my problem. Si notre affaire de mariage,
Si c'est un buzz ou c'est la réalité, c'est notre problème. On ne force personne à nous suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre quelqu'un. Donc, vous permettre... Moi, m'insulter, je m'en bats les couilles. Mais le traiter de génie, la personne qui a fait ça, là, c'est trop fort. C'est pas lui qui s'est créé. Hein. C'est pas lui qui a demandé à être malade. Hein. C'est un être humain comme nous. Donc, vous voulez que... On n'a qu'à lui rappeler qu'il est malade. Vous voulez qu'on lui rappelle qu'il n'est pas pareil comme nous? Non. Les Ivoiriens, vous avez un incroyable talent. Après ça, quand les autres peuples vont s'élever pour dire que nous sommes xénophobes, vous allez vous plaindre. Pourtant, l'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais c'est notre bouche là qui va nous tuer. Avant de prendre la parole, quand on dit qu'on est blogueur, on doit peser ce qu'on dit. On doit peser. Dieu a créé l'homme avec la parole. C'est pour dire que la parole est très puissante. La parole peut construire et la parole peut te détruire. Plus jamais quelqu'un va se lever encore pour dire que grand-père c'est un génie. Pourquoi je m'affiche avec lui? Pourquoi j'ai créé le buzz avec lui? Plus jamais. La personne même qui a dit ça, là, je ne peux même pas lui faire cette grâce à me de prononcer son nom. Ce serait trop même le considérer. Mais plus jamais tu vas considérer grand-père des génies, plus jamais. Parce que toi, tu n'étais pas créé. Hein. Tu peux créer un être humain. De quel droit, toi, tu vas te lever pour dire pourquoi moi, je m'affiche avec grand-père? De quel droit? La personne même qui doit se plaindre ne se plaint pas. C'est mon corps. Je le donne avec à qui je veux. C'est ma bouche. J'embrasse qui je veux. Si je veux marier un étranger, je veux marier un étranger. Dieu nous a tous créés uniques. Dieu ne connaît pas affaire d'étrangers. Là. C'est nous les hommes, nous-mêmes, qui nous divisons. Donc celui qui s'est permis d'insulter mon mari grand-père, moi je ne vais pas t'insulter, mais tu es allé un peu trop loin. Ça ne se fait pas. Demain, là, tu peux avoir un enfant qui est malade, tu peux avoir un enfant qui peut avoir sa maladie. Donc de quel droit? Tu vas te lever, tu vas t'asseoir sur tes pieds pour le traiter comme ça. Je suis au réveil. Est-ce que tu seras? Où est-ce que tu veux? Ok, je t'en vais. Je t'en serai là où tu veux, pas pour qui? Comme pas, tu vas jusqu'à l'amour. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux que tu veux faire un enfant pour moi. Ok. Mais ton esprit, je veux quatre enfants. On a fait des femmes là. Attends, on a fait des femmes là pour aller. Non, ça suffit. Mais je veux quatre enfants. Je veux quatre enfants. Je sais pas d'avoir un enfant d'abord. Je dis ton infidélité, ton affaire des femmes. Oh, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux quatre enfants. Ok. Ah, quatre filles et douze garçons.